Je m'attaquais un peu à l'arrière. Vu que je me suis entraîné sur la maison ronde, je devrais peut-être pouvoir faire quelque chose. Mais j'ai peur du résultat quand je vais monter les toits, en fait. Une fois qu'ils seront fusionnés ensemble, ça va être compliqué. Ou alors, faudrait que je fasse la première partie en toiture et après en mur. Pour pouvoir pas que ça s'écarte ou je sais pas comment ça va se faire en fait. Si ça se rentre dedans, ça va dépasser, ça va faire des morceaux et tout, c'est dégueulasse. Ah oui, il faut que je l'ai tout ça. Tu me gèles le lac, enfin tu me fais la neige, ou faut que je gèle le lac? Mais sérieux? D'accord. Olé, olé. Ok. Moi je dis non. Moi je valide pas ça. Je valide encore celui-là. Celui-là je veux bien le valider et encore faut voir la suite. Parce que la suite elle en dit. Mais je veux bien le valider. Mais l'autre non. L'autre sort de question. Il sera pas validé. Là, je vais avoir un problème, c'est que si je fais ça pour voir, après, il faudra que je démonte tout pour. C'est marrant. Parce que. Ça va me gêner. Et du coup, ouais, ça, c'est ce carré et tout, mais. Ouais, cette bûche que tu voudras pas enlever, du coup. Ok, donc si je mets cette bûche-là, je peux enlever celle-là. Intéressant. Il n'y a qu'une bûche que tu veux prendre. Ah, parce qu'il y a... Non, mais non, c'est... Bizarre. Non. Parce que s'il y a celle-là, tu peux prendre celle-là. Vu qu'il y a celle-là. Mais non. C'est pas grave, de toute façon, c'est elle qui me gêne. À vous. Et puis elle, pour l'instant. Que je remets après. D'accord, elle me gênait. Non, même pas. Ok. Bah, je vais pas la garder. Et là, du coup, t'as... Imagine... Ça... Ah, et puis bah, il faut la même chose là, en fin de compte. Et là, il y aurait un toit. Il voudra pas parce que... Il y a le toit qui le gêne, de l'autre peut-être. Ouais, il va y avoir la toiture qui gêne, mais après faut qu'il y ait un truc comme ça, ok, et du coup... Ouais, ça va pour le bas. Ah. Ah ouais, la dinguerie en fait. Ici, il y a une espèce de dinguerie à la con en fait. C'est-à-dire que même si... j'ai tac tac ici, tu vois, ça va s'écarter, j'aurai un trou béant là, donc il faudrait prolonger ça là, ce toit là ici, d'accord, ok, donc prolongation, ok, d'accord.
Ben, c'est encore plus dégueulasse en fait. Tu sais, c'est limite si j'ai envie de qu'il y ait un bateau sans angle, comme parce que c'est juste sale. Ou il faudrait un angle juste normal, comme celui-là, entre ici et ici. Et puis ça ferait ici, donc ce serait là. Y a un... En fait, c'est pas troué et ça s'élargit avec le temps. Si je prends un toit normal que de là-haut il est collé nickel à celui-là et celui-là, il va descendre, descendre, descendre et il va dépasser du bateau parce qu'il sera droit. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait cette technique. Ça boucherait clairement le truc correctement. Mais j'ai pas fait cette technique pour ça. Si je fais un angle de toit par rapport à celui-ci, droit, c'est-à-dire que tout ça, je vais recommencer, quoi. À coup sûr. Il y a forte chance que ça soit comme ça, putain. Si je fais un angle de toit droit, boum, il va tomber, boum, dans l'intérieur, on s'en bat les couilles. Il y aura là. Ensuite, il y a ça. Tac, qui passe comme ça. T'as le toit, boum. Et là, tu fais un angle qui va droit. Donc ici, il va cacher le trou. Après, dans l'intérieur, on s'en bat les couilles. Le truc, c'est qu'ensuite, au-dessus, le problème, c'est surtout le dessus. Au-dessus, t'as ton angle de toit. Donc il faut que là, ce soit droit comme ici. Parce qu'il suivra l'angle de toit. Et du coup, j'aurai un autre espace de ce côté-là. Entre. Et si ça, je le monte. Il y aura quand même un mini espace, je pense. Mini espace que je pourrais peut-être corriger avec ce type-là de truc en fait. J'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de. Fais voir l'arrière. J'ai besoin de voir autre chose là. C'est combien de temps? 3h24 de live. Ouais, je vais m'attaquer à ça après. Vas-y, j'ai besoin d'autre chose. Carrément, vas-y, sors-moi de ce bordel. Sors-moi de ce merdier. Il n'y a pas quelqu'un pour me sortir de ce merdier là? Ah, je vais aller voir ailleurs. C'est quoi ce truc? Ok. Le mec s'appelle Bestiole, quoi. Sors-moi de ce merdier, faut que je trouve, faut que je voie autre chose, faut que j'aille ailleurs. Y a pas quelqu'un qui a un toit à faire là, avec des angles intérieurs, que je vois un truc aussi. Zoussou. Vas-y Zoussou, montre-moi Zoussou. Montre-moi ta. Ah ouais, je pense que je vais tomber sur ta partie, mais je voulais pas y aller tout de suite parce que je me dis peut-être que je vais avoir une surprise sur une autre partie, quoi. Mais bon, surprise dans Son of the Forest, ça n'existe plus. Les gens, ils ont envie de jouer en survie, ils jouent en survie, et puis voilà quoi. On s'emmerde. Oh zut, j'ai été banni. Bon, bah, tant pis. Je vais me retrouver ici.
En fait, faudrait que je fasse un test, mais j'ai pas envie d'aller sur la zone de test. Et j'ai pas envie de faire ça sur ma partie où il y a le bateau. J'ai un truc en tête, mais j'arrive pas à le visualiser tant que je l'ai pas fait. Y a pas des toitures sur ta partie avec des toits intérieurs là, des angles intérieurs? Faut que je regarde un truc sur un angle intérieur. Une maison avec un angle intérieur fini, ça pourrait m'aider à visualiser un truc. Sans faire tout un test que je dois monter là, c'est relou. Ça me dit quelque chose ici. Ah ouais. Shit God Mode. God mode, God mode. Là. Et super jump. Il y a mon Kelvin qui vient te voir. Super Ouais, jump. je pense que Super jump 10. mon petit Hop. Kelvin. Super jump 10. Ah, il est chaud lui. Bon. La toiture que je veux. J'aime pas cette partie, y a rien dessus, c'est bizarre. Je préférais l'autre là, avec le tout bordel. Ah oui, c'est vrai. Cent vingt-six. Yes. Sponitem 626. Franchement, je sais pas dans quelle descente la faire. De fou. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, trop Dans marrant. les airs, les gars. Cette descente-là, elle est pas haute. Merde. Commence à faire un parcours. Rigole fête. Te montrer un truc. Ok, du coup ça donne ça. Ça va et ça. Donc ça c'est le côté droit du bateau. Et du coup là il y aurait cale l'angle Get en travers là. Get Carme Quoi? Tu m'apprends rien là. Là, regarde. Oui, je vois rien. Tu mets plusieurs quarts à l'infini sans qu'il se passe rien. Je vois pas l'utilité de ton truc. Ça ferait une sortie. Oh! Ah putain, c'est ça en fait, c'est que mon. J'aurais dû faire l'angle de Ça toiture. alors que là, Et ensuite, j'en mets trop. je faisais la pointe. Peut-être.
Pourquoi c'est rouge, culé? Et ensuite, je fais la pointe. Puis... qui se colle à ça, en fait. Ah, là, il veut pas parce que il y a les barres, il y a le toit, non? C'est quoi qui le gêne? Ah ben voilà, ça a marché. Ça me fait chier. Et alors, ça là? Ouais, waouh. C'est ça, pour mettre, faut mettre des multiples poteaux sur le même poteau. Ouais, mais y a toujours le même problème en fait. Arrête. Il est où ton plancher? Ta porte, tu l'as fait dans quoi? Méchante flèche. Oh, ça me dépropose, ça y est. Oh, putain, mais il veut pas descendre, cette merde. Il a sauté au même endroit où j'étais, quoi. Avance. Là, ici. Ah, ok, ouais, t'as mis toutes tes merdes. Ok, vas-y. C'est quoi qu'il faut que j'enlève, en fait? C'est quoi qui le gêne? Bon, laisse-le. Qu'est-ce que ça me dépropose? Ah, je suis en 10, j'avoue, c'est un plus gros escroc peu exagéré, quand même. Non. Pas terrible. Ok, d'accord. C'est ça qui te gêne, c'est là. Pour faire l'angle. Là. Du coup, l'angle, je peux le faire après. D'accord, l'angle, je peux le faire après. Bon, j'ai le problème voilà, que c'est pas au même niveau, fait. Bien sûr. Ça, c'est pas un souci. Si, c'est un souci. Enfin, presque pas un souci. Ah, voilà. Et là? Non, ça ne devrait pas être un souci pour faire un carré plus bas que d'un quart par rapport au côté que je me suis fait. Et là, on touille le jeu. Ouais, mais le problème est toujours dans la même chose, c'est le même type de construction. On a toujours le même problème pour les murs, les fenêtres. Je veux une tour qui serve à quelque chose. Et là, machallah, comment c'est beau. Oui, c'est juste beau. C'est juste beau. C'est juste beau, mais pas utile. Parce que dans une tour de château, tu non, mets... Non, cherche pas, y a pas de trou. Tu mets... je m'en fous des trous. Dans une tour de château, tu mets des choses. Tu mets des racks d'armes, tu mets... Et là, en gros, je mets tout... Là, tu mets rien. Là, tu mets rien. C'est... De pierre. C'est une mécanique de merde. Voilà. Hop, voilà. Hop. Et le milieu, je fais pareil, je fais le... Hop, bon, mettons une chaise. Contre, oh, bah une chaise, ça marche pas. Oh, quel dommage. Oh. Et si on monte les murs, est-ce qu'on peut faire des fenêtres? Bah non, c'est des poteaux. Oh, quel dommage. Voilà. Et regarde aussi. Donc, faire des ronds, voilà. Du coup, faire des escaliers. Ouais, mais tu peux monter sur tes escaliers parce que nous aussi on pouvait faire des escaliers avec des cabanes d'oiseaux dans The Forest, mais pour monter dessus c'était galère. Oh cool, ça marche ça au moins. On peut faire des escaliers en colimaçon, ça c'est l'utilité du truc du coup. Beau. C'est la seule utilité du truc, c'est faire un escalier en colimaçon. C'est intéressant, on pouvait pas faire ça dans The Forest. Comme ça sur... Bon, ce serait hyper long. Après, faut voir si ça monte jusqu'en haut. Ah, mais tu peux. Ah non, ouais, non, c'est... Ah, non, ça c'est mort. Ça marche pas. Juste un V. Tu peux pas faire un escalier qui monte très haut. Au bout d'un an, tu vas remonter sur les bûches que t'as déjà mis. Ok, d'accord. Dommage. Dommage. Franchement, dommage. Maintenant, faudra arriver à faire en sorte que. Ah mais tu peux pas parce qu'il faut des poteaux. Et là je peux en planter plein normalement.
Si tu fais un poteau, tu mets une poutre en treillis. Ah non, tu peux laisser le poteau du milieu. Parce que si tu fais ça, tu fais le tour, tu reviens ici. Il faudrait que le poteau... comme ça. Et là, tu pourrais faire l'escalier qui monte, et du coup, après, tu continues de là. Ah, mais il faudrait remettre des poteaux partout. Pour refaire un plancher de poteaux, pour pouvoir refaire monter l'escalier. Ah, c'est peut-être possible de faire un escalier en colimaçon. Le problème, c'est que si t'es trop bas de plafond, tu risques de taper la tête. Je sais pas comment il a fait, il a réussi à mettre... Ah mais si, je sais comment il a fait pour mettre ses escaliers. Il a fait comme moi là. Ouais, et là enfin attends, tu remontes, et après tu te retrouves ici. Ah mais faudrait que ça arrive au bon niveau. Il a fait. En faisant le tour là, faut que ça arrive au bon niveau en plus. Sinon ça marche pas. Il a tout fait avant. Ah, puis les poteaux, faut les mettre avant parce qu'après tu peux plus les mettre. Oh ouais, bah ton truc là, c'est bon, moi je fais un escalier normal et on en parle plus. T'es en train de voir si c'est possible. Si c'est possible, mais faut prendre des heures et j'ai pas le temps. Moi j'ai un autre truc là. Enlève toutes tes merdes là. Ah ouais, merde. Il a fait des mecs. Si je mets le bas de la toiture collé à ici, elle va dépasser ici. Bon, ça c'est ce qui rendrait le bateau le plus esthétique possible, cette mécanique, mais ça dépasserait à un moment. Je réfléchis sur un truc là. Ça ici. Ça c'est là. Ça monte et ça va tout droit et ça peut dépasser un peu. Mais ce serait moins dégueulasse que les angles que j'ai fait. J'ai trouvé la solution. Je crois qu'elle est là, la solution. Ce serait le plus esthétique possible. Ok. C'est bon, j'ai vu. Je nettoie. Comme si c'était avant. Voilà. C'est propre. Tout est propre. Ah, ça même pas touché ton truc, t'as vu, c'est de la balle, hein. Oh, le radius de la bombe, c'est de la merde. Voilà, c'est bon, c'est... Merci. Merci pour la partie test. Ok. Mais un escalier en colimaçon sur son truc arrondi, là, ça pourrait être un truc à tester. Si Chucky il est motivé, il essaiera. Parce que Chucky, quand il va voir ça, il va faire « Ah putain, ouais, j'avoue, pas con, moi, je vais essayer de faire un escalier en colimaçon comme il a fait. » Mais par contre, faut mettre des poteaux sur tout le truc, hein. Mettre des poteaux sur tout le truc, les bûches à plat qui montent progressivement, et arriver au niveau de là où il y a le poteau, en espérant que les escaliers se touchent bien, parce que s'il y en a un qui est plus haut que l'autre, t'es mort. Tu repars comme ça, et ainsi de suite, que avec des poteaux. Bonne chance. Si tu trouves un truc pour annuler les animations du personnage, t'as tout gagné. Mais sinon, oh putain. Faire un escalier en colimaçon dans le jeu, c'est comme faire le bateau. C'est aussi long. Mais du coup, faut que je pète tout ce que je viens de faire là. C'est casse-couille. Mais ça va être plus rapide à faire du coup. À reconstruire. Non mais sors de l'inventaire, j'appuie sur I,
échappe, sort de l'inventaire. Je peux plus échapper. Bah, prends ta hache. Non mais... T'es sérieux là ? Windows, ben quoi, ta gueule, bah oui, j'ai fait une recherche de cas chapeau, oui, c'est logique, oui. Saoulé ce con. Sérieux. Larme stupide, oui, regarde, j'ai Keblo dans l'inventaire, oh, tu peux rien faire, c'est marrant, parce que t'as rentré des commandes. Je vais le faire le bateau, je m'en bats les couilles, je vais y arriver. C'est Maxime l'autre fois, il a dit que j'allais y arriver, alors je vais y arriver, c'est tout. Merde! Au bout d'un moment, il faudra tout me prendre pour un con. Allez, pépère, vas-y. Allez, pépère, vas-y. Ok. Shit stick. C'est putain de... Hé hey, tu pètes les couilles, maintenant son inventaire va me faire chier. Inventaire sur i, ça m'emmerde. C'est nouveau. Je sais pas où le mettre. Je sais où le mettre. Ah, que ce sera pas les couilles. Du coup, t'as un shit stick, c'est bon. Saison winter, et j'ai vu une neige, c'est génial. Si seulement tu pouvais me geler aussi le lac comme ça, c'est genre maintenant. Oh, génial! Je savais pas, il y avait des trucs sous l'eau. Oh, génial, il y en a un autre. C'est ouf. Ils ont été mettre des bateaux sous l'eau que personne n'ira voir parce que quand t'es en survie, t'as pas envie d'aller crever. C'est génial, non? Au lieu de faire des lignes de code correctes là. Putain de la game quoi. Ils sont plus forts en historique qu'en codage les mecs. Parce qu'on dirait que, on dirait les barques. Putain, elles me disent quelque chose ces barques. C'était pas dans le premier. Non, c'était en bois et tout pété, je crois. Oh là là, putain. Faites les choses bien, ou alors ils les ont mis là, elles devaient... Ah, c'est des barques qui devaient flotter, mais vous avez pas réussi à les faire flotter. Ah, vous êtes vraiment des blaireaux, hein. Ah, putain. Ah, c'est grave. Ah, les barques, elles devaient flotter, vous avez pas réussi, c'est ça. Bande de guignols, putain. Bon,